Oui, bon, pour ma sœur, mettez-nous du sable. Mettre ça là, mon temps de fond. Ça, c'est là, me dépend. Ça va. Je vais aller manger ça aux gens. Je vais te faire manger, je vais la vivre. Il est mort.
Praise God. Alléluia. Nous souhaitons ta bénir avec cantique. Nous souhaitons que le Seigneur te touche où avec cantique. Qu'on y a nous pas l'entrée dans la prière. Pour nous capables à l'entrée dans l'étude là, ou à écouter JMBS, Jesus Ministries Bible School, chaque mardi soir, avec Cher Sandy, Cher Getty. Nous portons la parole pour nous-mêmes, qui besoin bon Dieu, nous portons la musique, nous portons la prière. Nous croyons que bon Dieu est en béni, ou avec deux chants à eux. Une c'était pour Haïti, et nous croyons que Haïti besoin de prière, yon, en pile. Et deuxième, nan, c'est pour vous-même personnellement, qui est un moment difficile, pour vos amis, pas fort, vos amis ça. Non, c'est Jésus. Il n'y a pas de quitter, il y a avec, ou même si vous pas senti la présence de Lila. Nous sommes très contents de ne pas marcher par ça, nous senti, mais nous marcher par la foi. Nous contents. La minute, ça nous pas prier. Je vais mettre un piano pour même. Pendant que nous allons prier pour 5-7 minutes à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Non, il fait merveille dans la vie nous. Il chasse tristesse, il chasse angoisse, il chasse souffrance, il chasse lamentation. Chasser dépression, alléluia. Chasser confusion. Non. Chasser suppression, oppression de la vie. Comment ça perd nous couper. Non porter tranquillité, le calme, la paix. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apôtre Jean et apôtre Pierre te dit à leader yo, officier yo, souverain sacrificateur yo. C'est à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth que monsieur ça est en bonne santé l'a marché. C'est pas en bonne santé physique seulement. Non Jésus qu'a fait pour nous. Mais il est capable faire bonne ba nous bonne santé spirituelle, mentale, morale, émotionnelle, financière, etc. Sous toute forme. Comment ça, Dieu Tout-Puissant? Nous couper bien bas devant trop nous. Pour nous capables de remercier, nous capables de dire Ebenezer malgré tout. Pour secourir nous, nous vivre. Nous tendons en pile bagaille, nous en pile bagaille. Il y a un pile monde qui dessus, il y a un pile qui triste. Gen pile k'ap soufri soit la mort yon moun ki chè pou yo menm soit yon impasse que y ap traversé soit yon moment ki tellement dur yo pa konnen si y ap sorti parce que pou kont pa yo yo pa ka sorti mais comme parole ou di bra ou pa kout zore ou pa du bra ou ka allonge kote ou vle. Il y a mon cap sorti c'est à cause brao qui pas coûte. Dans grand après-midi ça papa nous couper encore. Pour nous apprécier la vie qu'on ba nous. Malgré tout, n'a vive, nous gain la respiration, le mouvement. Ou là avec nous, nous pas pour contre nous. Gain qui dans de l'eau, gain qui dans du feu. Mais ça qui est important, parole ou dit pas brûler. Yo pas noyer. Pour moi, ça qui est important, c'est que le roi est là. Le chef est là. Le seigneur de tout seigneur est là. Le prince des princes est là. Le roi des princes est là. Le prince des rois est là. Ça va nous réassurance. Malgré qu'il y a de leur cœur serré, il y a de leur souffrance sur un pile. Au point de vue spirituel, physique, mental, moral, émotionnel, financière, sous plusieurs autres formes toujours. Mais ça qui est important, comme l'auteur a dit, Jésus là et ça suffit. Ça suffit. Alléluia.
Là où te dit apôtre yo pour monter dans bac là pour traverser de l'autre bord. Lorsque le vent de l'eau commence à faire ravage. Yo te commencé à ébranler. Yo te commencé à perdre force. Mais ça qui est important, yo te oublié que Jésus t'est là et ça suffit. Jésus t'est dans bateau, ça suffit. Alléluia, gagnez le gros vent et fait oublier ça, oui Seigneur. Malo bon Dieu, va toujours faire peur pour songer. Spécialement les chrétiens, dans chaque la terre côté yoyé. Va toujours faire songer ou pas seul. Ni les gain tempête, les gain vent, les gain tourbillon, les gain cyclone. Ou là, ni les bagailles soit ni les pas soit. Ou là, ni les gain de l'eau dans yeux, ou là ni les pas gain dans yeux, gain joie, ou là, ou pas jambe déplacer. Gain de leur peur pour qu'on oublie ça. Qu'on perdu espoir. Même Jean, disciple, t'es perdu tout espoir. Là ouais, la mer là, déraillé vent, déraillé bateau à la route pour chavirer. Perdu tout espoir. Ou réveillé ou dit vent, fais silence, la mer. Calmez-vous. Le créateur de toutes choses, l'auteur de la vie. On a mis tant peur pour que Haïti, que aux États-Unis, que à Ukraine, que à la Russie, monsieur, ou gen peuple, ou gen moun partout. Pas gen koto, pas gen moun pou. Dans tout coin la terre, côté qui gen en pile désastre, ou gen moun partout. Dans toute nation, toute langue, tout peuple. Dieu est toujours là sur les pas des nations. Parole ou dit Dieu, il sur pas chaque homme sans exception. Ou regarder côté à pied pied ça y a fait c'est après régler côté pour aller après midi ça papa entrer dans caillou entrer dans cœur entrer dans vie monde qui perdu espoir entrer dans vie ça glonant ça avec glonant dans yeux entrer dans vie ça dans prison ça à l'hôpital ça dans nursing home peut-être qu'a souffri différentes façons qu'a souffri au point de vue physique ou bien mental moral ou bien au point de vue abuse il y a toute qualité souffrance. Papa, dans ce moment, ça, un seul touché. Non, lui, c'est Jésus, comme auteur a dit. Consolateur nous, force nous, réparateur nous, soutien nous, la vie nous, espoir nous, nous-mêmes spécialement qui pas gain l'autre route, qui pas gain l'autre chemin. Merci pour présence, dans ce moment, ça. Nous remettons étude là-bas, non seulement nous venons prier vraiment, nous venons pour étude, mais nous venons pour aider frères nous dans la prière tout. Ça fait nous toujours prendre 5-7 minutes pour nous prier. Parce que nous avons sang qu'on pas toucher, on pas coûter, pas gain force. Alléluia. Nous vous merci pour t'en toucher en pile dans yo, on t'en faire restauration, on t'en bail miracle, on t'en bail faveur, on t'en rouler wash, on t'en casser chaîne, on t'en mettre en pile dehors. Nous dit en pile merci. La minute ça nous demander le Saint-Esprit, le grand professeur il est capable de prendre contrôle pendant que nous-mêmes, nous, des petits vaisseaux, qui campent. Et lui-même, il est capable d'envahir ça là. Parler à peuple, causer à peuple dans la parole. Nous disons merci, nous sommes capables de camper. Nous avons adoration à soi. Nous avons louange. Nous sommes les prières, ça. Qui avons toujours aidé petites filles, petites garçons, dans n'importe qui l'heure, n'importe qui jour, n'importe qui mois, n'importe qui année. Que vous trouvez ouvri vidéo ça Seigneur. Merci en pile. Nous célébrons les prières ça et nous couvrir avec Saint Jésus-Christ. Muraille de fer à couvrir nous tous, quatre coins de la terre, muraille de feu là, le sang de Jésus-Christ. Rien pas qu'à faire dégâts. Parce que présence ou là, puissance ou là, autorité ou là, pouvoir ou là, domination ou là. Nous faisons prière ça au nom de Jésus-Christ, le roi immortel, notre divin Seigneur et Sauveur. Notre témoin fidèle. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Comment ça nous dit tout le monde bienvenue encore dans l'étude là. Nous contents pour nous avec ou après-midi ça encore pour apprendre la parole de Dieu. Et après-midi nous allons entrer dans métaphores encore.
nous allons entrer dans la métaphore encore pour nous parler avec vous. Nous avons fait sujet nous, c'est métaphore, description de la vie chrétienne. Nous avons fait soldat pour vous, nous faisons athlète, nous faisons fermier, parce que nous avons parlé. Et à soi, nous allons faire vaisseau, ou bien un vaisseau que bon Dieu a utilisé. Nous allons parler de un vaisseau honneur, parce que nous allons avoir un peu de détails sur le mot vaisseau. Et nous allons présenter quelques vaisseaux bibliques que bon Dieu servit. Et bon Dieu, toujours un vaisseau dans le temps, pas nous. L'observer. Et nous te dit ça, nous prenons seulement les métaphores à Apôtre Paul. Nous ne prenons pas toutes les métaphores bibliques, yo, parce que si nous prenons toutes, bah, nous avons fini. Nous prenons seulement quelques par Apôtre Paul. Yo. Et nous prenons dernier, ça m'a pris par Apôtre Paul. Yo, c'est l'autre semaine, si Dieu veut, et puis nous avons campé dans l'étude ça. Il y a un temps, il y a toujours un temps sur Apôtre Paul, oui. Au contraire, je me quitte là-dedans. Mais ça yo moi yo vraiment c'est important pour nous te prendre yo ces soldats fermiers athlètes là vaisseau yo ou bien vaisseau d'honneur différencier vaisseau ça parce que moi je parle de l'autre vaisseau un peu rapide mais dernier on a fait pour l'autre semaine si Dieu veut mais si nous t'a fait en pile pour vous, nous pas quitter partie que nous est là mais si nous pas prendre dans toute la Bible là. Nous t'a prêté dans liste ça parce que liste là plein que me quitté. OK? Nous t'a dit liste là gien la donne Jésus-Christ qui t'a parlé, il fait nous sel, il fait nous lumière, il fait nous branche et il fait nous pécheurs des hommes et il fait nous série de ça et nous gien apôtre Pierre tout qui parlé nous que nous c'est une roche, nous c'est un prêtre, nous c'est etc. Apôtre Paul nous quitte plusieurs là-dedans tout. On va prendre tout. Et dernier, ça m'a prend pour l'autre semaine, si Dieu veut, c'est ambassadeur. Ambassadeur pour bon Dieu. Et c'est Apôtre Paul toujours. Apôtre Paul. Nous pas prendre l'autre parce que pas bien temps et nous pas blé dans l'étude la trop. Sauf à me faire nous près 5 semaines là-dedans. 5 mardis. Alors 5 mardis. Si nous devons chaque jour, nous avons fait un pile. 5 mardis, chaque mardi. Chaque 8 jours, nous faisons une. Et nous avons essayé de couvrir ça rapide pour assurer tout. Si nous avons parlé vite, nous avons vite. C'est parce que nous voulons couvrir pour ne pas tourner là-dedans l'autre semaine si Dieu veut. Pour nous entrer dans l'autre là pour nous-mêmes. À la gloire de Dieu. Sujet nous, c'est métaphore, description de la vie chrétienne. Those of you who speak English, like I said, we covered. 5 Tuesday, we're about to cover, this is our 4th Tuesday, actually, we're about to cover 5 Tuesdays of this subject, metaphors, descriptions of the Christian life. We covered the soldier, the athlete, the farmer. Tonight, we are covering the vessels. A vessel, actually. There's many different type of vessels. There are vessels of honor, there are vessels, inferior vessels, there's all kind of vessels. Broken vessels, destroyed vessels, messed up, beat up, chopped up vessels and all that. But we're going to stick with the vessel of honor because the people we presenting you, they were vessels of honor, okay? So if we present you broken vessels, inferior vessels, we're going to have to pick up some characters and we're not going to have time for all that. So I only picked up some vessels of honors, and we have some characters we picked up. Also, we're about to read for you. They were vessels of honor. Actually, we picked up 3 of them. They were all vessels of honor. We will give you the references. The main reference we've been on is 2 Timothy 4. But all of our metaphors, description really are in 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, we had the first metaphor, which was the soldier, 2 Timothy 2 verse 3 and 4. And we had the athlete,
which was 2 Timothy chapter 2 verse 5. We have the farmer, 2 Timothy chapter 2 verse 6. Tonight we have the vessel of honor, 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. So today you're going to circle the one for today. If you want to take excellent note as a student, you will circle the main one we're doing each time. Okay? So the main one we're doing each time. If the first time we did the soldier, you should circle 2 Timothy 2 verse 3 and 4. You circle that soldier and then you got the reference. So you always remember where to get that one reference. Of course, we can have them and have it in different area, but I only stayed there. I didn't want to read too much. And then you can take the references where we're going to be reading tonight. I mean, not all of them, but we're going to kind of hit them a little bit, not a lot. We won't have time to read each verse of honor's life and explain each life for you, because each one is a teaching by itself. The first one is in 2 Samuel chapter 1 verse 24, 2 Samuel chapter 2 verse 18 through 20. The second one is in Judges chapter 13 verse 6 through verse, actually you're going to schedule it. Judges chapter 13 verse 4 through 7. And Judges chapter 13, verse 13 and 14. It's just a repetition of the same thing I give you, but it's in different area where the angel come back again. All right? Judges 13, verse 4 through 7. Judges 13, verse 13 and 14. Luke chapter 1, verse 12 through 17. We will not read the whole thing, like I said. It's not going to be much time. Okay? Today we're talking about one of the metaphors, which is the vessel, a vessel of honor. In 2 Timothy chapter 2, verse 20, talk about vessels, and it gives you a description of different kind of vessels. There's a bug here. Gives you a description of different kind of vessels, but verse 20 truly talk about vessel of honor. And we're going to be talking about a vessel of honor. A vessel of honor. We're not going to talk about all the vessels, but of course I will give you some clues about inferior vessel and broken vessels. Okay? There are good ways of broken vessels. There are bad ways of broken vessels. Okay? If you see somebody use it and say, I'm a broken vessel, so I don't want you to think it's all negative. There are good ways of saying a broken vessel. There are bad ways of saying a broken vessel. Nous avons une référence en créole. Nous disons que nous avons gagné pour même depuis quelques jours, depuis 4 semaines presque. Nous avons parlé de métaphores, description de la vie chrétienne, que la Bible compare nous. Métaphore, veut dire en comparaison. La Bible compare nous à soldats, il compare nous à athlètes, il compare nous à fermiers. Jodi a apprend, la Bible compare nous avec un vaisseau d'honneur. Un vaisseau d'honneur, nous pas dit des vaisseaux, parce que il y a un pile vaisseau, il y a un qui pas des vaisseaux d'honneur. Il y a un vaisseau inférieur, il y a un vaisseau crasé, il y a un vaisseau sale. Nous pas pral parler de yo, nous avons seulement parlé de un vaisseau d'honneur. La Bible fait nous vaisseau d'honneur, moun ki chrétien. Encore, pendant ma fait étude ça, si on moun pas chrétien, on besoin vin chrétien. Parce que pour un vaisseau d'honneur, I mean, faut connaître Jésus, parce que c'est bon Dieu qui a fait un moun un vaisseau d'honneur. Ok? Nous gen wakwe nan tête, nous sommes un vaisseau d'honneur. Mais tout en bon Dieu pas ouais, nous sommes un vaisseau d'honneur, nous sommes un vaisseau d'honneur. Et moun ki ka fè nou vin nou vaisseau d'honneur là, c'est bon Dieu. C'est ça qui fait li important pour chrétien. C'est moun sa yo que bon Dieu prend yo comme un vieux vaisseau ou bien pas ton vaisseau ou bien peut-être pas d'abri Jean un vaisseau dans vie yo. Et puis bon Dieu fait yo vin nou vaisseau d'honneur. OK, ça fait lè nan kou nou rive nan zone ça, n'obligé offrir ou Jésus-Christ ou même qui poko konnen Jésus
pour capable accepter lui comme Seigneur et Sauveur, pour quitter mon Dieu faire venir un vaisseau d'honneur. OK? N'a bon référence, nous t'ai parlé de soldats dans 2 Timothée 2 verset 3 et 4. De soldats, bon Dieu fait nous un soldat, nous même qui vinn chrétien, nous sommes soldats. Et nous pouvons parler sous ça en pile dans première leçon. Hein? Sous ouvrir vidéo, vous besoin apprendre plus de ça ou pour regarder, va pour retourner là-dedans. Et bon Dieu fait nous un athlète dans 2 Timothée 2 verset 7. Bon Dieu fait nous un fermier ou du moins un comme d'a dit jardinier, un agriculteur anyway. 2 Timothée 2 verset 14. Et je dis, hein, bon Dieu fait nous un vaisseau d'honneur dans 2 Timothée 2 verset 20 et 21. Et base qui voye nous dans tout paquet métaphore sa description sa yo, métaphore description sa yo, c'est 2 Timothée chapitre 4. Madame m'oublie, c'est la base leçon à sortir dans 2 Timothée chapitre 4. Ça qui vient là, tout monde qui t'a comparé nous à bagay sa yo, c'est apôtre Paul. Et apôtre Paul joue rôle tout bagay sa yo nan vi pali, m'pale sou sa plusieurs fois. Et pa ou moun kap di ou pou wi pou semble a tel bagay, li pa semble. Toute la vie apôtre Paul li semble un soldat, li semble un athlète, li semble un fermier. Li te yon vaisseau d'honneur pour bon Dieu. Li te yon vaisseau d'honneur pour bon Dieu. Apôtre Paul, c'est comparaison pali yo seulement pran, c'est métaphore li yo seulement pran. M'pa prend pas apôtre Pierre, m'pa prend pas Jésus-Christ yo, et nous te dit ça tout à l'heure. Jésus compare nous à sel, il compare nous à lumière, il compare nous à plus bas, toujours à une branche, etc. etc. Apôtre Paul, grand dernier métaphore que nous prend l'autre semaine si Dieu veut, c'est ambassadeur, nous vient parler sous lui, et mettre au prêt pour pas penser son bagage simple. Nous te dit que chaque métaphore, yo, si nous t'a parlé dans front en comble sous yo, moi quand même t'as fait une étude, négan on va prendre n'importe 6 mois pour me faire une étude, pour me d'abord détailler et lire la vie monde qui dans Bible là, qui te semble à soldat, même fait partie ça même la vie monde, moi c'est dans ça, moi presque pas le faire le vaisseau, moi le faire la vie monde qui dans Bible là, qui te un vaisseau, même pas prendre la vie monde qui dans Bible là, excepté apôtre Paul seulement ma bon comparaison yo, même pas prendre la vie l'autre monde, si pour me d'apprendre la vie l'autre monde pour me parler de yo. Qui j'en été un soldat, athlète, j'en été un athlète, fermier, qui j'en été un fermier, m'a pas fini. Mais à soi, nous apprenons trois mondes. Nous montrons trois vaisseaux d'honneur que bon Dieu t'a choisi. Et m'a dit ça, la Bible, plein vaisseau d'honneur. Et nous te dit ça, nous ne pouvons pas parler de l'autre vaisseau parce que pas qu'un temps, yon, yon chaque c'est étude. Deux, nous plus rester sous vaisseau d'honneur que bon Dieu fait, monde qui chrétien vigné. Ok? Monde qui chrétien vigné au vaisseau d'honneur. Pour bon Dieu, pour bon Dieu. On s'y va de l'apôtre Paul. On va continuer bon définition vaisseau. Apôtre Paul, d'après la tradition, apôtre Paul, et moi je mette le 29 juin comme jour, un jour à part pour songer ou bien commémorer ou bien songer monde qui martyr yo. D'après tradition, nous apprenons que l'apôtre Paul est mort le 29 juin. Il a choisi le moment ça pour mettre l'apôtre Paul, pour mettre le jour ça à part, le 29 juin à part, pour capable honorer les martyrs. Les martyrs. Pour qu'il honorer les martyrs. So, l'apôtre Paul est un martyr vraiment. Et si vous mettez date pour célébrer Matthieu 29 juin à l'honneur d'apôtre Paul, m'pa kwa yo mal fait parce que apôtre Paul vraiment c'était un soldat, un athlète, un fermier, un vaisseau d'honneur. Et dans la vie tout le monde sa yo net qui ça qui relie yo tout ensemble. Il y a plusieurs bagay qui relie ensemble. Mais majorité moun sa yo net c'est courage yo. Courage yo. Courage moun sa. Yo gen courage. Et puis l'autre sort qui relie ensemble en pile c'est travail. Travail sans relâcher. Courage
travail, persistance, mon sa tout gagne qualité sa yo que m'a cité là. Yo gagne soldat, athlète, fermier, vaisseau. Bon, nous prend trois premiers. Yo gagne courage, yo gagne persistance, yo travaille dur, vaisseau travaille du tout. OK, même qu'un mais trois ça au plus dans ça que moi, dans ça que moi dans étude, dans garder, dans fouiller. Yo vraiment gain persistance, yo courageux, yo travaille très dur, très dur. OK, après Paul c'était yo monde ça son nous pas gêne ainsi, yo mettait juste à part pour honorer les martyrs. Et qui sont les martyrs? Monde qui pas peur mourir pour la cause de l'évangile, pour vrai l'évangile Christ là. OK? Nous devons faire une étude sur les martyrs pour même, mais si vous avez besoin d'apprendre quelques de martyrs, nous sommes allés dans Hébreux 11 pour deux semaines de cela. Nous avons pris verset 32 à 40 là, c'est la donne qui est martyrs. L'autre, c'est pas là, il faut offrir quelque chose à Dieu. Mais la majorité de gens qui sont dans verset 32 à 40, c'est martyrs. C'est les gens qui mourent drôle. C'est les gens qui mourent. Martyrs sont les gens qui mourent drôle. Tête coupée, lapidée. La gué nan chaudière l'huile, fanan de, tout fait, dévoré par lion, dévoré par bête féroce, chiré sous quatre cheval, martyr. Fermé nan cachot, fermé nan gaz, nan tan côté qui chambre gaz, martyr. So, nous toujours gen martyr sa yo parce que nous plein chrétiens, peut-être l'évangile, peut-être la Bible, peut-être on yon yon bay sa attention. Nous gagnons toujours. Dans le Islam, puis l'autre côté aux Indes et en Chine. Nous gagnons toujours. Iran, en pile côté, que nous gagnons martyr toujours. Monde qui maturise, écrase, brise, mourit pour l'évangile de grâce. So, moi, 29 juin, pas loin, là, m'a quoi oublier. C'est Dieu mette à part pour honorer les martyrs. M'a quoi oublier ça. Anyway. Nous avancer. Définition vaisseau. Un vaisseau d'honneur. Définition de un vaisseau d'honneur. OK? Definition of honored vessel. The vessel of honor. OK? Not the other vessels. A person God calls, set apart for his use only. A person God calls, set apart for his use only. So I say biblical definition. This is a biblical definition. Okay? M'bat pran definition générale la pou nou ma aswe. Parce que m'bagan ase tan. M'gomban ba m'bral li la. So m'pran seulement sa pou nou. Okay? Definition biblique. Okay? Yon vaisseau d'honneur. C'est yon moun que bon Dieu fait appel li et li mette la part pour service li seulement. Pour service pal seulement. C'est yon moun bon Dieu fait appel à li même et bon Dieu mette la part pour service li seulement. Yon vaisseau d'honneur. Ok? Yon vaisseau d'honneur. Et sous ta li nan 2 Timothée 2 verset 21 là on pourrait dire toutes sortes de plusieurs sortes de vaisseaux. Vaisseaux de terre, vaisseaux d'argent, vaisseaux en or, vaisseaux en bois, vaisseaux servi pour mauvais bagages, etc. Nous pas pral rentrer dans tout vaisseau ça yo, mais là la Bible dit son vaisseau d'honneur, on met penser à l'or, on met penser à diamant. OK? L'or toujours son bagage honoré. Et pas vrai? Diamants sont toujours un bagage honoré lié. So, l'entend des vaisseaux d'honneur, pensez à gros bagage ça. Sous t'as des vaisseaux de terre, vaisseaux de bois, vaisseaux inférieurs, pour capable penser avec un vase qui au service, il a fait service inférieur. En Haïti, nous connaissons ça bien. Il y a un monde qui servit à vase, n'est pas qu'à lever, aller dans la toilette. Pas vrai? So, nous prenons ça. Il servit à vase. Ici tout, il servit avec nous tout. So, nous connaissons ce vaisseau inférieur, pas vrai? Mais on a parlé de un vaisseau d'honneur. Vaisseau d'honneur,
Et bon Dieu choisit nous, il fait nous des vaisseaux d'honneur, il met nous à part pour service lui. Et ça t'aime de dire que c'est pour chrétien. Ça m'a dit là, il faut qu'on vienne chrétien pour qu'on ait un vaisseau d'honneur. Je ne sais pas si pense au son vaisseau d'honneur. Non, capable non gens pour penser au son vaisseau d'honneur. Je te dis ça tout à l'heure. Mais tout autant, c'est pas bon Dieu qui choisit nous, qui déclare que nous sommes un vaisseau d'honneur. Nous ne sommes pas savoir, nous sommes tomber tête nous. Vous comprenez? Et nous, pendant nos bonnes définitions, nous avons dans Esdras, nous avons quelques autres références pour même. Dans Esdras, chapitre 8, verset 28, il parle nous d'un vaisseau, de vaisseau que bon Dieu choisit. Esdras dit, bon Dieu choisit nous comme des vaisseaux. Et nous ne pas prêter la dent trop, nous avons une bonne référence là. Nous avons dans Romains 9, verset 21, 20, jusqu'à verset 21 et verset 23. 21 à 23. Romains 9, il parle de vaisseau que bon Dieu choisit que nous y est. Dans 1 Pierre 3, verset 7, parle nous de vaisseau toujours que bon Dieu choisit. Dans Osée 8, verset 8, ce sont des vaisseaux qui étaient honneur. Et d'après ça, Osée dit là, dans verset 8, Osée 8, 8 là, il dit que c'est vaisseau d'honneur qui changeait un vaisseau qui pas utile en rien. Ok? So, on va pas parler sur vaisseau ça même seulement bon référentiel. So nous croyons que ou même qui parle anglais nous we gonna give you those references the vessel of honor, those are vessels that God choose, people that God choose and he called them and set them apart for his use only, for his use only, for his use only. If God have other people using the vessels, it's like 2-3 people using it, it's not for God anymore. It's not a vessel of honor for God. Okay? So you may say, how can 2-3 people using the vessel? Anything God set apart, it has to be for God's use only. If other people, other things is using that vessel automatically desecrate. Okay? It's desecrate. It's not sacred anymore. All right, so we have Ezra who talks about vessels that God choose. We are vessels he choose. Ezra 8 verse 28. We have in the book of Romans chapter 9 verse 21 and 23 that talks about vessels that God choose. We are vessels that God choose. First Peter 3 verse 7 talks about we are vessels God choose. Hosea chapter 8 verse 8 tells us about vessels that was for God used now become veil. They become veil vessels. Okay, what is a vessel? Truly, you could every time you say the word vessel, what do you see? A container or some containers that they use for different liquid or different things or different things. Vases. Jars, you know, etc. So, when God choose somebody, he made you a vase, he made you a jars, only his stuff can pour into it. Only his stuff. If someday, for example, if you have a jug, someday they have juice in it, someday they have water in it. Someday they have soda in it. Someday they have milk in it. You can't call it a juice jug. Because it's for so many different things. But if they're only using it for milk, people going to be calling it the milk vase. The milk jug. The milk container. Why? Because they only put milk there. So when the definition say for his use only, can't be pouring everything in there. Everything can't be in there. God has to be the only person using that vessel. Okay? Can't be one day Satan using it, one day the flesh is using it, one day God is using it. No, it doesn't go that way. And we have so many people call themselves vessel of God, and that's the way it is. You know, God is the only one who supposed to use that vessel because God
call and choose that vessel, set it apart for his use. Okay? So, le bon Dieu choisit un vaisseau, li suppose seulement au service bon Dieu. Nous te dit ça, là où est un vaisseau qui soit ouais. Ou capable yon couche, yon canari, yon bouteille, yon mamite, etc. Ou capable yon bagay que mette yon série de bagay là-dedans. Mais nous te dit ça tout à l'heure, si ça que mamite là ou bien bouteille là ou bien bocal là, li contenu, et nous prenons un gros bocal, ça yon toujours mette là-dedans, c'est lait. OK, c'est lettre que toujours mettre là-dedans. Ou capable d'y passer un bocal lettre là. Tout le monde a déjà connaît qui bocal lié. Mais si il y a des jeux mettez lettre, il y a des jeux mettez jus, il y a des jeux mettez de l'eau, il y a des jeux mettez acassant là-dedans, mon qui parle bon créole. Là ou pas capable d'y passer un bocal lettre là, ou y a mon n'a pas sûr parce que pour ça mon n'a pas petit gens confuse. Et bien c'est même gens les nous chrétiens. Bon Dieu choisit chrétien pour le mettre la part pour service seulement. Et il pas au service cher, il tout cher, il pas au service Satan, il pas au service l'autre bagaille et puis pour le service bon Dieu en même temps, il est obligé soit le service bon Dieu net ou du moins il au service pile l'autre bagaille livré au service. Mais laissez bon Dieu choisir un vaisseau, il fait un vaisseau honneur. C'est bon Dieu seul qui a droit servir avec des ça. Et j'ai un vaisseau qui vient tout neuf. Tout neuf. Ça veut dire, l'elle vient tout neuf comme ça, les vierges. Ok? J'ai un vaisseau tout qui te vient en servir en pile, qui te vient en presque coulé, presque pas colbosso, pas à servir encore. Pour ça m'aller là, c'est parce que bon Dieu a fait n'importe vaisseau vini un vaisseau d'honneur. C'est là mien avant. Il a pris un vaisseau qui était écrasé, il a pris un vaisseau qui était presque coulé, il a pris un vaisseau qui était presque colbosso et puis il fait vin tout neuf et puis il servit avec lui. Et là n'a parlé de un vaisseau là, la Bible compare nous un vaisseau. C'est monde que n'a parlé le monde. OK, c'est moun et m'a dit d'après paquet métaphore que nous fin faire là yo et nous presque fini là yo. On moun doit garder un chrétien. Yo doit wè la vie un soldat. Yo doit wè la vie un athlète. Yo doit wè la vie un fermier. Yo doit wè la vie un vaisseau vrai bon Dieu choisi. Ça son vaisseau de Dieu. Mes amis, si yo pas ka wè métaphore ça yo. Et la Bible dit que c'est ça, il décrivait nous tant coup ça. Nous besoin faire effort pour nous quitter le Saint-Esprit de Dieu travaille dans nous pour nous qu'avine vaisseau ça vrai ou bien soldat ça vrai ou bien athlète ça vrai ou bien fermier ça vrai. Pas seulement dans bouche pour n'a tendre m'a dit parole ça yo parce que là la Bible compare nous à ces des bagailles, compare nous à une branche, il compare nous à une branche bois qui connecté dans vine. D'après Jésus-Christ dans Jean 15, nous pas prendre définir toute métaphore ça yo, li comparer nous avec et lumière du monde, li comparer nous avec Jésus-Christ toujours, li comparer dans Matthieu 5 pour même qui besoin ni référence là, Matthieu 5 verset 16, li comparer nous avec celle de la terre, li comparer nous avec lampe ou ça, tout ça yo faut moun ka garder nous, faut ka wè. Et jodi a ma pour une parenthèse, c'est un gros problème ça, ça fait étude ça, bon Dieu va yo pour merci parce que jodi a n'a regarder bagay yo moun pa ka ouais la vie chrétienne non vrai que la Bible a comparer nous métaphore ça yo que bon Dieu a comparer nous avec yo moun pa capable ouais yo et te me dit nous petit bagay me fait mes parenthèse bon Dieu ka fait de nous il ka fait bon Dieu ka prend un bagay qui t'écrasé net li rangel mais est-ce que nous ba l'accès pour le faire ça. Bon Dieu, ça prend un bagage qui te coulé. Ça qui veut dire un monde qui peut-être qui pas utile, on nous parler de monde qu'on y a. Un monde qui pas utile société. Bon Dieu, ça prend un monde ça, li ranger, li propreté, li préparer, li s'il te colbo sol préparer le bien, ranger le bien et puis le voyer pour l'utile société a.
On dit qu'à prendre un monde qui était bas en pile dans le droit, qui était peut-être perdu net par un police, perdu espoir sur le monde, non? Au moins, mon Dieu, fait vaisseau. On dit qu'à prendre un monde, ça a eu l'effet de venir de monde que l'autre monde obligé, respecté, pas qu'à dire tout le bagage devant eux, et qui ça a été dans une ville. On dit qu'à faire, mais pour qui ça a pas qu'à nous besoin bail bon Dieu accès à pour qu'a faire nous métaphore ça yo vraiment mes bien-aimés moins besoin faire ça ou besoin faire ça et là n'a prier tout nous besoin changer type de prière nous vont parenthèse encore type de prière nous pas qu'a toujours même bagarre mandé bagarre matériel type de prière nous Seigneur ou dit son soldat montre-moi comment pour mon soldat Seigneur ou dit son athlète montre-moi comment pour mon athlète Seigneur, ou dit son fermier, montre-moi comment pour mon fermier. Seigneur, ou relem pour mon vaisseau, montre-moi comment pour mon vaisseau d'honneur. Montre-moi comment. Parce que majorité dans nous c'est seulement le nous al prier nan mandé. Nan les des prospérité. C'est pas rien mal dans ça. Mais si c'est là seulement nous camper et puis yo pas ka wè Jésus-Christ a briller dans nous son problème. Parce que m'entendez trois moun a plein de moun qui a mené la vie chrétienne et puis yo pa ka bon ami qui vivent dans même caravan yo qui vivent dans même zone avec yo qui vivent dans même office avec yo qui vivent dans même et cetera qui passent un petit temps avec yo et passe une semaine avec moun nan ou découvrir moun nan pa un vaisseau ou découvrir pa un soldat ou découvrir pa un athlète ou découvrir pa un fermier li pa bay Saint-Esprit accès pour travail du nan li assez pour mais pour faire les gens bon Dieu vle lié a OK me ferme parenthèse là so nous veut dire que verset et pas camper là faire étude ça c'est pas Dieu sous temps de me faire l'autre étude c'est pas pour ça me vienne faire c'est pour chrétien capable bailler le Saint-Esprit accès dans vie yo tout paquet bagaille ça au bon Dieu comparer nous avec yo pour nous capable vraiment sembler au vrai même Jean-Apôtre Paul te sembler vraiment dans monde que nous pas ba ou là yo tout et alors yon gren nan yon mwal bo ki te mè stop. Li vire l chanje baga la. Vraiment li te vierge, son vaisseau vierge ke l te ye. Ki yon vaisseau vierge, sa pa ve di l te propre, il te purifié. Pour ça, c'est bon Dieu qui fait li vin ou vaisseau d'honneur. C'est vrai depuis avant pile nan yon moun sa ou fait. Ouais, bon Dieu qui t'a choisi comme vaisseau d'honneur. Et yon vierge, et nan sens sa yon vierge. La vierge dit, yon boko servi avec yon. Yon boko, they haven't put to use from anybody. Ok? So that don't make the thing holy, but it makes the thing kinda not touched yet. Okay? It says I'm bleeding la. The thing haven't been touched yet. Alright? By anybody. Alright? So but that don't make it holy. It become holy when God use it, when God pick it up, when God choose it, when God talk through it, when God etc. etc. That's when it becomes holy. If God stood right here, the place become holy. Okay, if God using my spirit and I'm not mixing it up with all other junks, then I become holy for God. Because the Bible calls all Christians. I'm not referring to going to church. Don't say Sagittis D, tout monde is holy. I'm not referring to everybody going to church. I'm referring to Christian people. Those who are true soldiers, true athletes, true farmers, true vessels, the Bible called them holy. Yes, saints, right? The Bible called them saints, or they holy. Holy people. And 1 Peter 3, verse 7. Okay? Nous dit que moun que bon Dieu fait vaisseau, c'est pour l'autre moun capable nan moun nan, ils sont vaisseau. Gen vaisseau qui vierge, ça va vouloir dire li saint pour ça, comme d'hab dit à l'heure. C'est le bon Dieu prend, bon Dieu servi avec elle, ou bien bon Dieu entre dedans, bon Dieu travaille dans lui, li vient au vaisseau saint, s'il n'est pas mélangé avec l'autre bagaille, s'il pas rien tout l'autre bagaille sur petite là, on joue gain lettre, on joue gain jus, on joue gain divin là-dedans. Excusez-nous, on joue gain ici gain l'autre bord. Si c'est même bagaille là qui était bon Dieu utilisé, seulement bon Dieu, hein, c'est pas on joue sous la chair, on joue sous inspiration du diable, on joue sous inspiration bon Dieu. Non, faut toujours sous inspiration bon Dieu, faut toujours plier volonté, me quitter Saint-Esprit montrer, me quitter le mener, me quitter le diriger et puis m'a toujours un vaisseau
qui est à part pour mon Dieu, un vaisseau d'honneur. Et puis, la Bible est son vaisseau saint premier. Un moment, c'est pas pendant que vaisseau est dans toutes sortes. Alright. Nous allons commencer à lire quelques mondes pour qui sont c'était venus dans le monde là, tout vierge. Et bon Dieu, tu as choisi comme vaisseau. Il mettait à part, mais il y en a qui vient changer bagarre là. Ouais, qui vient changer le bon. Gloire soit rendue à Dieu. Bien, dans trois que nous choisissons, il y a un qui n'a pas changé. Ça nous va le faire, nous allons lire en créole français pour les gens qui parlent créole. Nous avons quitté Sœur Cindy, lire anglais pour les gens qui parlent anglais. Ça m'a fait, m'a pris deux groupes. Je vais quitter Sœur Cindy, lire. Il n'y a pas long, nous allons prendre tout paquet de lecture. Je vais quitter Sœur Cindy, lire 2 Samuel 1, verset 24 là, et 2 Samuel 2, verset 18 à 20. Et puis, l'appli juge 13 là, verset 4 à 7 là, juge 13 là, verset 13 à 14 là. Et puis après ça, moi, je m'ai et puis je m'explique en pile bail. Ok? Dernière, je vais faire l'après, je vais lire l'après. Nous finir deux bons, nous finir expliquer deux ça. Que deux vaisseaux nous prennent so far que bon Dieu choisit. Ok? Oh, women of Israel, weep for Saul. Wait a minute, hold it. First Samuel, I'm sorry. First Samuel? Yeah. I got Second Samuel there? Or it's First Samuel chapter 1, verse 24. Sorry, okay. You got it. So got First it. Samuel 1. 24 and First Samuel 2, 18 and 20. First Samuel 2, 18, okay. So 1 Samuel 1, verse 24. When the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along a 3-year-old bull for the sacrifice in a basket of flour and some wine. 1 Samuel 2, 18 and 20. But Samuel, though he was only a boy, served the Lord. He wore a linen garment like that of a priest. Each year, his mother made a small coat for him and brought it to him when she came with her husband for the sacrifice. Before they returned home, Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you other children to take place of this one she gave to the Lord." Amen. Amen. Judges 13, verse 4 through 7. Okay. So be careful. You must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin to rescue Israel from the Philistines. The woman ran and told her husband, "A man of God appeared to me. He looked like one of God's angels, terrifying to see. I didn't ask where he was from, but he didn't tell me his name. But he told me, 'You will become pregnant and give birth to a son. You must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. For your son will be dedicated to God as a Nazarite from the moment of his birth until the day of his death.'" Amen. 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 Praise God. Mon qui parle créole, nous est côté, nous est Samuel. Bon, maman, ça c'est maman qui offre comme un vaisseau d'honneur, hein?
dans 1 Samuel chapitre 1, verset 24. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une houppe de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ça, c'est maman qui baille, bon Dieu, comme un vaisseau d'honneur. Dans 1 Samuel 2, verset 18 à 20, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Eli bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Samuel, tout petit, après le fin, c'est vrai. Et ça venait d'où ça? C'est un vaisseau neuf qui peut pas servir du tout. Et pas vrai? Ça, c'est propre maman qui baille, bon Dieu, comme un vaisseau. Et ça que nous comptons dans le vaisseau ça, vaisseau honneur ça, c'est que Samuel, toute la vie, lui, par un côté dans la Bible qui dit Samuel était dévié. Actuellement, même qui ne connaît pas ça, Samuel est le premier prophète dans l'Ancien Testament. Of course, en plus, le monde est le Moïse prophète, nous ne pas là. Bon Dieu, il est Abraham prophète, ce n'est pas la mienne. Dans pas paquet prophète qui écrit, ça qui parle, mon écrit. Samuel, d'après le livre de Juge, après paquet Juge, ses premiers prophètes, il n'est pas seulement été là, il est tellement son vaisseau d'honneur et consacré au service de Dieu, son définition, a person calls set apart for his use only, for God's use only, ok? C'est un monde que bon Dieu a relé, ou bien choisi, et puis il mettait la part pour service par lui seulement, ouais ça? Seulement, même j'aime d'abdi nous conteneur à s'il vient tout le kaite baye kap vide la donne, ou pas ka mette un nom sous li pour dire prends galon let la pour moi, bien prends galon qui gen juya pour moi, chaque fois parler ou pas ka parler comme ça parce que gen différents baye kap fait la donne, mais Samuel, il était totalement au service de Dieu comme un vaisseau d'honneur, et il était non seulement il était premier prophète, il était juge aussi en Israël. Il était souverain sacrificateur en Israël. Et vous pas attendez en quelle complainte de Samuel. Et Samuel, moi-même, le monde homme de Dieu. Samuel était un grand homme de Dieu. Yes. Pour que ça nous est un grand homme de Dieu. En fond, tu vois, parenthèse. Je dis, j'en aurai le monde grand homme de Dieu. C'est le nous garder matériel là. Nous garder matériel là. Nous gardons la cathédrale là, nous gardons les gens habillés, nous gardons les valeurs monde qui devant, nous, tout ça est belle, est bon. Mais devant bon Dieu, ça va faire, nous avons un grand homme de Dieu pour ça. Nous avons un grand homme de Dieu lorsque il était un vaisseau d'honneur pour bon Dieu. Bon Dieu est capable de servir avec lui, il a crainte bon Dieu devant monde comme des monde. Il y a un vaisseau d'honneur. Samuel est un vaisseau d'honneur et là Samuel apprend retraite lui. Il presque arrivé dans fin la vie lui. Samuel dit au peuple Israël comme ça. Qui est-ce dans nous qui a accusé que me conn volé bœuf nous, que me conn volé mouton nous, que me conn volé cabrit nous? Si gagnon nan nous qui a dit ça, levez main nous. Pas gagnon qui a dit ça, hein, ça c'est un grand homme de Dieu. Moi c'est bibliquement. Selon son monde gardien, mon son grand homme de Dieu. C'est pas les monde qui a de gros bagages, de grands millions, paquet millions de dollars, paquet ici, non, non. Ramasser paquet bagages, pas quantité, etc., etc. Mon grand homme de Dieu, c'est même son se définit pour là. Samuel, pas de monde qui t'a accusé, lui. Au contraire, il était un homme de prière pour le peuple de Dieu. Samuel, ton grand homme de prière pour le peuple bon Dieu. Il était soucieux de peuple bon Dieu.
li bataille pour que bon Dieu vive, li combat pour que bon Dieu porte victoire devant les ennemis, devant les Philistins, li intercède. Et moi crois un verset que nous aimons en pile dans Samuel côté que il dit Ebenezer jusqu'ici. Moi c'est dans 1 Samuel 7 verset ça et si pas trop même le verset 12 pas trop même verset Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, c'est les Samuel t'a intercédé pour le peuple de Dieu pendant les Philistins a couru vinn prendre yo. Son nous là Samuel c'était un grand homme de Dieu. Li pas seulement là pour la petite mais il doit pas oublier il y a un gros titre, nous on dit ça là pas rien mal dans titre, pas rien mal dans titre. Vous comprenez? Pas rien mal dans titre, mais c'est pas titre là seulement. Est-ce qu'on prend c'est pas titre là seulement. Samuel, c'était le premier prophète. Samuel, hein, il était juge et Samuel toute la vie il prophète, il juge et aussi il souverain sacrificateur. Mes amis, ça c'était un grand homme de Dieu. Et il pas garder titre yo pour faire craser briser li rete dans crainte bon Dieu, il servit bon Dieu jusqu'au bout. OK, nous allons dans détail, nous pas penser sur la vie de Samuel, mais ti crase bagay moins dou là ou ka wè Samuel c'était un vaisseau d'honneur. Même Jean apôtre Paul li ba nou métaphore ça que nous bon Dieu un vaisseau d'honneur et li même apôtre Paul ton vaisseau d'honneur et li même Samuel nous prend là nous saute li pou li ton vaisseau d'honneur et il rete un vaisseau d'honneur jusqu'au bout, il pas varier, il pas faire à droite, il pas faire à gauche, il marche dans l'humilité, il a crainte bon Dieu, il a pile titre. OK? Il a pile titre. Nous pas faire détail dans crainte bagarre négatif même quoi, créole parler, créole comprendre. Deuxième partie côté nous te lire là dans Juge chapitre 13 le verset 4 à 7 là, dans Juge côté que c'est saint dit en anglais pour nous, côté que nous avons la femme de Manoche, hein, qui était stérile. Et nous avons un pile d'études pour me faire un passage. Ça, c'est pas deux relations que bon Dieu pas bon moi la donne. Et tout le temps m'appelé, mais fois mal, ça allait mal lili. C'est pas deux bagailles. Et qui que moi, qui fait moi vraiment baisser bien bas devant le trône de Dieu. Pas deux bagailles moi, ouais. C'est ça que nous avons dit là, non. Pendant que la femme de Manoche était stérile et puis bon Dieu décidé pour Bali un bébé, bon Dieu pas aller route Maril cette fois-ci, bon Dieu à côté le direct et nous dit bon Dieu parce que pour qui ça et nous garder passage là nous ouais c'est Dieu même l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ préincarné, c'est pas un ange qui paraît devant madame Manoche, c'est Dieu même et pour qui ça mal lavé. Bon Dieu, te bay petite ça. En pile importance. Je toujours dis ça. En pile femme stérile qui dans Bible là, sou pas content de m'a dit ça et sou pas content de ça avant tout. Majorité femme stérile qui dans Bible là, les ont fait petite, yo toujours fait de grand homme de Dieu. Yo toujours fait de grand homme de Dieu. Majorité fils ça, yo toujours fait de grand homme de Dieu. Et sont maintenant samba ou là yo, hein? Non, ouais Anne. Anne, c'est lui maman Samuel, le juge, le prophète, le souverain sacrificateur, un grand homme de Dieu. Hein? Dans le moment, sa maman Samson, hein, madame Manoche, c'est lui-même. Mes amis, si vous un homme qui était populaire pour force, lui, c'est Samson. Malgré force, la part appartenu à Samson, la appartenu à le Saint-Esprit. Hein? Force là c'était le Saint-Esprit pour Lilien, c'est lui qui était bah Samson comme ça, mais il y a le force Samson pas rien mal dans ça, mais c'est force là qui fait Samson populaire comme ça. Tout le monde te connaît Samson, c'était l'homme le plus fort du monde, mais c'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui était dans lui. En son nous est que maman Samson était stérile tout et puis il fait un petit garçon extraordinaire. On va dans détail de ange là et par là que nous y était un homme très, c'est un juge, hein. En Samson, c'était le dernier juge. Et puis Samson, il dirigeait Israël, il conduit Israël 20 ans. Mais Samson, depuis le commencement, bon Dieu choisit comme un vaisseau d'honneur. Mon connaît Samson causé, il vit un vaisseau souillé.
Mais on connaît gloire soit rendue à Dieu à la fin Samson te reprend ni. M'content. Il pas traiter ta net, il te reprend ni. Il te reprend ni. M'très content. Comparativement avec ça non li dans Osée 8 verset 8 là, Samson te reprend ni. Et son prend mais vraiment comme un vaisseau d'honneur que bon Dieu te fait Samson hier, ça lui même c'est pas maman Samson te offre Dieu lui. Bon Dieu lui c'est bon Dieu même qui fait maman Samson honneur, li bali un garçon extraordinaire comme ça pour délivrer Israël dans les Philistins. Et nous connaissons reste la vie Samson et pas dans la vie Samson que nous aller comme moi dit pas dans la vie Samuel moi aller mais n'a regarder vaisseau honneur que bon Dieu choisit ou bien vaisseau d'honneur qui offrit à Dieu. Vous voyez ça maman Samuel offrit Samuel. Il dit bon Dieu si bon Dieu bali un garçon là pour offrir le bali. Il y offrit Samuel tout petit sans Samuel pas être souillé dans rien. Vraiment pour Samuel venir offrir Samuel en sacrifice à Dieu comme on te lit dans verset 24 là, quitter Samuel dans main le souverain sacrificateur et puis retourner la caille à vide. Souverain sacrificateur a béni Anne avec Marie, lui dit bon que bon Dieu remplace petit ça qu'on prêté bon Dieu. Samuel t'est prêté à Dieu toute la vie lui, hein? Toute la vie Samuel, il son monde qui prêté à Dieu. Et Samuel pas fait et bon Dieu honte, il pas fait maman honte, mais nous pas dit de même pour Samson. Malgré que c'est Dieu même qui te paraît devant maman Samson, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. OK? Il pas dit un ange de Dieu, mais il dit l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ préincarné, Dieu même qui t'est présenté devant maman et Samson. Et ça que nous est l'ange l'a présenté deux fois même, il a dit presque trois fois, c'est deux fois lié mais presque trois fois. Pourquoi ça me dit ça? Il présente en première fois à madame et Manoche pour contre madame non, il va le détailler ça que pour pas faire comment nous faire connaître monde ça été consacré à Dieu. En conseil de explication instruction qui baille sous la vie yo, c'est ça qui baille sous la vie yo. So, il parle à maman Samson, il dit la il me connaît stérile ou m'a font petit, ou pas le font petit. Et puis il baille détail comment pour le vivre, l'elle fait petit là. Et puis qu'on y a l'aller. Dame n'a dit Marie ça. Marie a pas gagné temps un jour et puis on l'autre jour encore et puis Marie a prié bon Dieu on l'autre jour encore ange va venir contre Marie non mais Marie a prié prend-il le son dans ça oui mon cap côté lui très important ça me dit là Marie a prié ange va venir côté Marie encore là aller côté madame non encore cette fois-ci pendant ange là côté madame non m'pas connait s'il te dit ange là retente si ange là déplacé les madame là courir là chercher Marie est-ce bon. Le Marie a tourné jeune ange là. Ma raconte si ange te retente si madame te dit, il pas dit si madame a dit ange font tant. Il a dit ça. Ma pas met rien, il pas dit. Mais ça vient dans l'esprit moi. Parce que m'ta appelé avec toute précaution. Donc ma raison fait m'appeler à précaution comme ça c'est parce que c'est Dieu même qui paraît devant madame Samson. Dieu même. C'est pas un ange de Dieu qui vient. Nous voyons que Samson a une pile importance comme un vaisseau d'honneur que bon Dieu choisit. Et plein d'autres vaisseaux d'honneur qui ont été là tout que bon Dieu choisit. Nous prenons Jérémie. Et bon Dieu dit depuis dans le ventre, moi choisis. Hein? Depuis dans le ventre, moi choisis pour capable prophète des nations, etc. Depuis dans le ventre, ça veut dire son vaisseau d'honneur que bon Dieu choisit. Depuis dans le ventre, nous ne prenons pas tout le monde ça parce que nous ne prenons pas quelque temps ça. Est-ce que vous comprenez? So, vaisseau d'honneur pour Dieu. Hein? C'est un monde que bon Dieu relè ou bien choisi, elle mettait la part pour service pâle seulement. Si un monde a toutes sortes de services, on a dit ça dimanche là, c'est pas même tout travail un chrétien qu'a prend parce que son monde sous son vaisseau d'honneur que bon Dieu choisi. C'est pas n'importe travail ou qu'elle fait. Il y a monde qu'on a manqué bon Dieu de grâce du Seigneur puisque m'a donné tel travail ça pas moi et ce travail ça me joindre c'est lui m'apprend sous compte. Attends man, on pas comprendre caractère bon Dieu. On pas comprendre valeur tout. Bon même si ou pas passer bon Dieu dans jouette, peut-être valeur pas ou de pas prendre. OK ça? Ça nous ça nous pardonner oui parce que yo vraiment loin, yo pas comprendre trop de caractère Seigneur. So, moi croire que bon Dieu pardonne monde ça tout. OK? Bon Dieu pardonne monde ça tout. So nous dit que un vaisseau d'honneur gien rad ou pas mettre gien koto ou pas aller gien bagay ou pas penser qui dira pour saute en bouche
gen action pa fè, gen kèk compagnie ou paye, nan lèm di compagnie compagnie. Gen kèk compagnie ou pa nan compagnie sa, parce que son vaisseau à part, son vaisseau d'honneur, c'est pour service bon Dieu seul ou yé. Parce que gen kèk kote ou ap dérape kèk l'autre vaisseau sa kote ou pralè a kote ou te dwe ale, ou a lèn dop la. Et puis n'importe bagay k'arive. Vous comprenez? So, un vaisseau d'honneur, son vaisseau qui doit toujours sanctifier, toujours à part. Bon Dieu, quand je n'y a n'importe qui jour, n'importe qui l'heure, n'importe qui moi, n'importe qui gens, bon Dieu, quand toujours parler dans vaisseau ça, parce que pour ça, c'est vaisseau lié pour lui et pour service seul lié. Ok? So, we talked about Samuel, who was a vessel, a chosen vessel of honor. His mother dedicated him to God from 3 years old. They used to kind of stop milking the babies around 3 years old, okay? From birth to three. So around that age, his mother, Hannah, took him to the temple to dedicate him to God. 1 Samuel chapter 1, verse 24, and also 1 Samuel chapter 1, verse 18 through 20. So turn Samuel to the high priest for the use of God only. So and or Elkanah could say, well, since we come every year, we'll bring Samuel to God every year. No. That was a vessel set apart for God use only. Glory to God. So for Samson, we say God came in person to tell Manoah's wife that she was going to have a baby. She been infertile for God knows, the Bible doesn't say how many years. So I said that in Creole, most infertile woman in the Bible, when God give them a child, it usually be a great man of God. God usually give those women. Okay, so we talk about Samuel, who was the first judge, the first prophet, not the first judge, I'm sorry, the first prophet, the last judge, I'm sorry, the last judge, the first prophet, and high priest. That's a great man of God, and he had the fear of God. He obey God completely. He asked the people, if I ever steal any of your cattle, let me know. Point it at me. Tell me. Let me know. For his whole life, he served God with dignity, with fear. Samuel, he was a vessel of honor. And we talk about Samson. God chose Samson before birth. He tell the mother what to do before she got, the moment she got conceived, what not to do for Samson. And the angel of God came in, Jesus Christ pre-incarnate, he came in person for that birth. So God truly made Samson a special vessel, a true vessel of honor. But he dishonored himself as a judge. He dishonored God the way he lives. He ignored his consecration. He desecrated himself the way he lives, on what he eats. See, I'm not about his life, but the way he lives, what he eats, the women he deal with, and all that stuff. Most of you remember Samson for his strength. And his strength has to do with the Holy Spirit, really. The Holy Spirit is strong. The Holy Spirit gave him power. Okay? So those strength did not come from Samson. Truly, they came from the Holy Spirit. But Samson really messed up. But at the end, I'm so happy Samson didn't die like that. He repent. He prayed. God delivered him. Even though he died. But he did not went to hell.
A lot of people don't know these things. Okay? He repent. Okay? So I'm not even going to go there because the teaching is not about, it's not about Samson's life. I'm just talking about that he was a special chosen vessel of honor. That's where I am. He was a vessel of honor. But do you remember the subject today? We're discussing metaphors, descriptions of the Christian life, and we're discussing a vessel of honor. Okay? A vessel of honor. So, nous dit que ça fait nous content parce que Samson pas traité à terre, mais Samson vraiment te dégradé tête li, il désacré tête li, et li méprisé et comment que bon Dieu te bay maman yo sous la vie li, nan sa le manger, nan jan le vivre, nan fili pran, etc. 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 Mais nan fin nous wè que et li te repenti et li sauvé nan ni. OK, li repenti, li sauvé nan ni. Kounye la nou gon dernier vaisseau que bon Dieu te choisi que nous pral prend. Et nous pas rete tellement pour nous ali en pile. N'a explique au li c'est dans Luc, c'est Jean-Baptiste. Nous prend deux dans l'Ancien Testament pour nous senti sous cœur non au lieu nous prend tout dans l'Ancien, faut nous prend un dans nouveau à tout. Nous prend Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er à partir du verset 12 à 17. Luc chapter 1 verse 12 through 17. It's about John the Baptist, who was also a chosen vessel of honor. A chosen vessel of honor. God chooses him, and we can see God talks this time not to the mother, but to the father. So sometimes, you know, people, when I was studying these things, a lot of things was coming in my mind. I was thinking, God is God. He does whatever he pleases. But people will always try to turn things around, twisting things around, to put it the way they think God is doing it. No, God could do it the way he wants to do it. If he wants to talk to the mother, don't say that, old time, he didn't talk to women. That's not true. I've seen him talking to many women in the Old Testament. I mean, I see him talking to many men in the New Testament and women. So, I mean, God is lovely. He talks to whoever. And when I was looking at, anyway, I'm not going to go there. Let me just not go too far. Let's go to Luke chapter 1, verse 12 through 17. Luke chapter 1, verse 12 through 17. If you have a mic with you where you at, Cindy, you're not going to read the whole thing, but you can read 2-3 verses at least, so they can see the angels giving instructions. The angels giving instructions. 17? Yes, I think 12 through 15. Okay. Luke 1, verse 12-15. Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him. But the angel said, "Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Your wife, Elizabeth, will give you a son, and you are to name him John. You will have great joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or other alcoholic drinks. He will be filled with the Holy Spirit even before his birth." Amen. Amen. So now we're reading another thing, pretty much similar to Samson, but it wasn't that way for Samuel, you know. But all three were great men of God. All three were great men of God. We're looking at the difference here where the angel was Gabriel. Then it did tell Zechariah his name. Because Zechariah got him upset. He told Zechariah, "My name is Gabriel. I stood before God." So he was upset. Anyway, we're not going to even go there. So because Zechariah didn't believe him. Some of you may say, why he was upset? Zechariah was doubting. So when we doubting God, we kind of get him upset. Okay? And that's just a little opening for you.
verse 19, he told him that. He said, I'm Gabriel. Okay? I stood before God. I came to give you this good news. And that's how, he doesn't say it that way, but that's what he was saying to him. That's how you take it? If you take it this way, then, all right, there's consequences for doubting. He gave Zachariah this consequence. We're not about the consequences. I'm not even going to go there. Please open your Bible and read. This is a powerful, powerful passage. All of the passages are very powerful. I just pick a few verses on each one. But you can also always read and study. You'll get so much out of them. Right here we see angel. The angel, he didn't say who he was when he first met at the temple. And the Holy of Holies, that's where Zachariah was. Zachariah was in the Holy of Holies in the temple. He was a high priest. As he offered sacrifice, he noticed an angel standing there. He knows that was an angel because nobody can come in there, and that was a strange person. He got afraid. And Cindy just read that for you. He was very afraid. So the angel started telling him about his wife. And the angel knows his wife's name. The angel say, your wife Elizabeth. So the angel start giving instruction to give to the wife. And when you read on Samson, it wasn't that way. It was the opposite. He gave the woman the information. Now he's giving Zechariah the information. Because he met him in the Holy of Holies. Okay? So, enough about Zechariah. Let's go to John the Baptist. Everything the angels said to do, for the wife to do, because the kid was chosen before even born, when he fell into the womb, the mother wasn't supposed to drink a certain liquor or certain drinks. Eat a certain food so the kid can still stay holy and be sacred to God. Okay, we're talking about a vessel of honor. Okay, so John the Baptist was chosen to be a vessel of honor. Thank God. And he was a great man of God. Jesus Christ testified about John the Baptist. He didn't testify about, he said, among women who have a male child, John the Baptist was the greatest, in Matthew chapter 11. John the Baptist was the greatest. Wow. What an honor. Wow, wow, wow. So, John the Baptist stood for who he was, a vessel of honor. Like I say, Samuel also. Samson deviated, but he got repented. But John the Baptist, he remained a vessel of honor until his death. He never changed. He was a great man of God. Okay? And I said, I describe a great man of God. I love to call people men of God. And the reason I do that, like I tell the people at church, I have a reason for doing that. The same way God said to Abraham, your name will be Abraham. As they keep calling you Abraham, which means father of multitude, that's the way your blessing is going to be. You're going to multiply. The more they call you that, the more you're going to multiply. So I like to call people men of God, women of God. So I'm sure in the process, with my faith, if they twisting and messed up, they definitely going to have to let the Holy Spirit work in their lives as I call them that, so they can become that. And I don't mind people calling me that also. Because I do want to truly be a woman of God. So, John the Baptist was a man of God. He was a vessel of honor until his last days. Because Jesus Christ testified. Not only that, he served God all his life. Like his dad said in Luke chapter 1 about verse 80. His dad said, you're going to be in you're going to be set apart for the use of God, of the Lord, and to prepare his way. His dad, full of the Holy Spirit, Zechariah, pronounced this word on John the Baptist. And he did remain a true, holy, sacred
vessel of honor for the Lord until his last breath. The Bible do compare us to a vessel. Only God was using John the Baptist. Nothing else. Nobody else. Only God. He was always full with the Holy Spirit. John the Baptist wanted to stay holy so much he doesn't eat what people eat. He doesn't eat regular food. He doesn't hang out with regular people. He doesn't eat their food. We don't know how old he was when he hit the desert. He lived in the desert as a wild man, full of the Holy Spirit. And why people may say he lives in the desert as a wild man. What was he doing? Praying, consecrating himself, fasting, stay in the presence of God. The author of Psalm 84 said, better one day in the house of the Lord than 1,000 years elsewhere. So I believe that's what John the Baptist did. And he was a powerful man of God until his last breath on earth. So he remained a chosen vessel. He remained a person God calls and set apart for his use until his last breath. So yes, the Bible compares us with a vessel of honor. Amen. A vessel of gold. A vessel of diamond. Those are the vessels. Don't worry about them. Let the Holy Spirit use you to become a vessel of gold. A vessel of diamond. For the use of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Anyway. We're going to change in French. Nous sommes là, côté que bon Dieu nous porte troisième monde que la Bible compare à métaphore ça, qui est un vaisseau d'honneur. Nous sommes là où Samuel, nous sommes là où Samson, et nous sommes là où nous sommes là Jean-Baptiste. Depuis dans le ventre, bon Dieu choisit yo comme vaisseau d'honneur. Et Samuel, c'est maman qui te baili. Comme un vaisseau d'honneur, bon Dieu accepte li. Vraiment, son offrande. Bon Dieu accepte offrande là. Offrande a te gen bon goût. Bon, tout petit. Il offre sacrifice et l'offre offrande dans bon Dieu toute la vie li. Il prête à l'éternel. Et nous vin gade Samson. Nous, c'est Dieu même qui t'a devant maman Samson. Et qui dit maman Samson, pour le faire un petit garçon, on pour le faire un petit, etc. Ou pas, même son pape fait, même son pape fait. Et son petit garçon, le plus souvent, les bon Dieu, bah, nous enfants, ça y est, petit monde, ça y est. Parce qu'il choisit pour de gros travail. De gros travail. Et que peut-être seul garçon qu'a fait. Il y a un verset que m'a ou là dans 1 Pierre 3, côté que la Bible dit que, verset 7 là, côté, il dit, il parlait nous de vaisseau, il parlait de que Marie pour capable. Et aller délicatement avec madame ou qui ont vaisseau qui puis fait passer en pile monde qui prend ça dans mauvais sens me pas là monde qui relait tête yo homme de Dieu qui prend verset ça mal yo prend le mal mais là nous fouiller étudier nous joindre dans sens que la Bible parle ça un vaisseau puis faible veut dire dans corps physique li dans physiologique li dans physiologique li dans corps physique li nan muscle yo nan zoli yo pa même yo pa fait même gens c'est seulement ça li vle di là elle dit et prends soin madame parce que son vaisseau pi faible pas dans sens mental c'est pas dans sens bon ni non c'est pas dans sens ça mes amis son verset qui tordé en pile verset ça nous pas pral rete là dedans mais nous juste expliquer pour moun parce que li nan lis moi obligé d'un petit bail de li. So nous dit que nan paquet moun sa que bon Dieu t'a choisi pi fò nan ces garçons parce que travail yo pral fè a c'est nan époque sa yo ce travail semblé que garçon t'es obligé qu'a fè et c'est pas de fille pou yo té. OK, so nous a fait discrimination dans l'église là même bon fonti en parenthèse li obligé sorti parce que bagay sa trop. Je crois que nous faisons bon Dieu fâché. Nous avons regardé que nous avons discrimination comme ça. Et même Jean Samuel, tu voulais faire bon Dieu fâché. Dans 1 Samuel chapitre 16, l'arrivée la Kaïsaï, il te voulait faire bon Dieu fâché parce que nous avons discrimination. Il a regardé monsieur. Amen. So, donc, nous avons regardé les gens de études. Tout de suite, nous avons dit on l'autre bagage, on dit on veut être plus faible, etc. Si,
bagay sa fè bon Dieu pa trois di moun. Non non, n'est pas raison de ça. On nous parle dans bagay yo tande yo comme ça, on nous quitter la Bible, Jean l'a expliqué tête li a mes amis. Fouye, pran passage yo, al fè recherche yo, al chèche référence yo, al chèche définition etc. chaque bagay yo puis vinn ba yo, mais pas faire confusion ni discrimination avec yo. Fè mes parenthèses là. So on dit que Jean de travail ça nous par exemple travail Samson. Qui fait pas lever la barrière un pays met sous d'eau? Qui fait pas chirer un lion en deux? Of course, Saint-Esprit a toujours servi à un fille pour faire ça, mais c'est pas style un fils ça. Ok? C'est pas style une femme. So anyway, et nous avons regardé Samuel qui toujours a bataille pour le peuple en prière devant Philistin. Le Philistin a couru venir prendre le peuple là. Tout ça, c'est travail garçon. So nous dit que, yes, ce sont des hommes forts. Des hommes de Dieu qui gagnent crainte bon Dieu, que bon Dieu te fait des vaisseaux pour gloire non li, pour être capable, pour le utiliser pour un gros travail, pour aider peuple li. Pas oublier, m'te dit nous ça, un homme de Dieu, c'est pas là nous gagnons gros bagaille, mais c'est là nous attendons la voix de Dieu, nous obéir, nous faisons ça le dire, là il choisit nous pour un bagaille spécial, nous faisons exactement ça le bas, nous faisons, nous pas faire ça, nous remet pour louange, pour ici, pour l'autre bord. Mais bon, par exemple, nous prenons trois hommes, ça, que nous prenons là. Hein? Trois vaisseaux, ça, nous servir avec sujet. Trois vaisseaux, ça, que nous prenons là. Même les Samson sont déviés de l'appel, mais l'été français de l'autre bagarre, corps physique, li, à ville, oui. Tendez bien, oui. À ville, à corps physique. Mais on connaît, ça, bon, Dieu, le boule faire. L'été fait, lui. C'est tuer Philistin, oui. C'est craser Philistin, mettez Philistin de route. Il pas dit faire lui mais seulement. Ça veut dire qu'il peut pas faire col, il a lui déconsacré, il désacré col, excusez-moi, il désacré col dans Jean vive, mais il est style fait travail que mon Dieu va le faire, oui. Et ça fait l'elle repentir dans moment dans dernière minute. Bon Dieu répond lui rapide, c'est ça parce que on veut son quand bon Dieu va perdre. Il style fait ça mon Dieu de va le faire, mais seulement désacré col. Elle maman bon Dieu te dit maman pigal boue bon Dieu li boue l'elle li toujours a fait fête à Philistin yo hein l'elle marié parti kas fête parti kas exact bagay kap fête et bon Dieu te dit pigal manger bagay ki mouri l'aller dans dan on lion ki mouri le aller si au miel là c'est nous ça surtout bagay ça yo oui li fait yo de sacré coli mais travail te bal faire li pas dévier non le fait lui hein il fait lui détruit Philistin a des Philistins détruits. Non, la Bible dit qu'il détruit plus Philistins, elle fait repentir pendant qu'elle mourir, que ça, il était détruit pendant qu'elle vive. Ouais, ça, elle fait travail là. Pour ça, m'a dit nous ça. Nous choisissons trois vaisseaux, ça. Ils étaient au service, bon Dieu. Ils étaient au service, bon Dieu. Ouais. Et, nous sommes certains, dans trois vaisseaux, ça, ils ont tout été une faiblesse devant bon Dieu, mais ils ont fait ça, bon Dieu, bah, ils ont fait. Ils n'ont pas dévié pour faire. On l'autre. Nous jouons Jean-Baptiste, comme d'hab dit ça en anglais tout à l'heure. Li vivent dans un désert. Pour qui ça? Li pas vle dépendre de manger mon abali pour pas désacrer. Ou ça, ça a différent lui-même. Ou ça? Ça a totalement donné. Totalement donné. Ni koli, ni travail pour le faire. Dis mon la vérité, même s'il boule ou même si vous levez quoi vous faites, c'est la terre. Ou ça? Bon Dieu, l'aile pour l'on vaisseau pour dire mon vérité. Ça, c'est Jean-Baptiste. Ou ça? Il crampé là devant Hérode, il dit Hérode vérité. Ah, au moins Hérode remet, Hérode pas remet. Même gens avec Akab, Akab remet Michel, pas remet Michel. Parce que pour ça, bon Dieu, il dit la vérité. Là, au crampé, il rempli d'onction. Il pas râlé derrière de pour dire, oh non, je ne pas dire tel ça, ma mouri. Ou bien je ne pas dire tel ça pour ne pas perdre avantage là. D'après moi, même Jean-Baptiste vivre dans le désert, c'est parce que il pas voulu en rien changer message lui. Parce qu'il n'y a pas d'avantage dans l'homme. D'après moi, il mange miel sauvage. Il vit dans les airs, il a le vivre à bon Dieu. Même Jean-David, quand il vit dans la rage avec mouton, il est venu en pile onction parce qu'il a plus de temps à bon Dieu. Il a plus de temps pour le consacrer. Il a plus de temps pour le parler à bon Dieu. Il a plus de temps pour le chanter à bon Dieu pour être ensemble. C'est ça. Jean-Baptiste passe tout le temps dans les airs. L'aile pour le porter, mais ça, il entre dans la ville là. Amen. L'entrée pour le baptiser mon c'est pas très dégâts. Nous avons Sadducéen, nous avons Pharisiens, nous avons monde qui a sorti dans tout coin, Judée, dans toute Samarie, dans tout autour, etc. Qui a couru vin contre Jean-Baptiste pour sa onction en force. Parce que il n'y a pas la caille, il n'y a pas de déconsacrer tête.
li rete en bas l'ordre Saint-Esprit, en bas marche Saint-Esprit, li rempli d'onction 24/24. Moun a couru vini a mande ça pou yo faire. Ce sont des grands tonnes qui passé wo, yo vinn blier si yo te gen titre parce que yo wè que yo ka perdu nanm yo si tout ça qui croit dans la résurrection. Wè ça? So tout a couru vini pour ça parce que Jean-Baptiste est vraiment consacré à Dieu comme un vaisseau d'honneur pour bon Dieu, un vaisseau mis à part pour Seigneur. Et li pas devier jodi a li dans la chair demain si devait le vaisseau après demain ça t'a usely non li rete un vaisseau d'honneur jusqu'à sa mort. Nous croyons que nous t'ai choisi trois vaisseaux d'honneur ça et tem nous ti bagage ça trois vaisseaux d'honneur ça c'est depuis l'enfant mais on connaît ou pas besoin depuis l'enfant pour bon Dieu choisir m'était ça dans commencement c'est déjà son répétition bon Dieu qu'a prend un broken vaisseau. Li ka pran un vaisseau qui pas camper sur un même un vaisseau qui vraiment sale parce que dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 14 verset a dit que si vini plaider si pécho rouge ou cramoisi la vin blanc comme neige si rouge comme la poule la vin blanc comme laine ça veut dire que n'importe qui vaisseau bon Dieu ka pran li purifie li propre li met à part li fait un vaisseau d'honneur so gagner manger là pour tout le monde. Ni ou même qui un vaisseau crasé, brisé, sale, un vaisseau que personne pas rien bon. Bon Dieu ka faire, li ka faire un vaisseau d'honneur. Ou même tout qui pas dans toute sauce, puis grand fier de tête parce qu'on pas dans toute sauce ou un vaisseau d'honneur. C'est bon Dieu ka faire un vaisseau d'honneur. Qui te bon Dieu faire un vaisseau d'honneur. So, n'importe monde qui veut pour venir un vaisseau d'honneur, mis à part pour service bon Dieu seulement, ou besoin accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou besoin quitter Saint-Esprit continue travail nan ou pour former ou sont écraser Saint-Esprit bon forme et m'baler dans Jérémie 18 pour même mettre le dans l'islam même pas toucher le même pas toucher le mettre même bon référence là même côté que bon Dieu dit si portier capable faire vaisseau à Jean Levé capable faire pour à Jean Levé et moi même Yahweh est-ce que m'pa ka faire Jean Levé ça veut dire que bon Dieu ka faire Jean Levé souvin joigni li ka formé li ka range li ka propto li ka fò vini porcelain son mo mwen utilize à l'église en pile mwen di bon Dieu fè nou vini porcelain son bagay ki vini kreve ba ou ka mete sou coiffeuse ou ka mete sou armoire ou ka mete nan belle ti vitrine la caillou et cetera et cetera. Ça veut dire que bon Dieu ka prend n'importe mauvais vaisseau un vaisseau inférieur vaisseau pa ka besoin un vaisseau ki pa propre moun pa gade le même. Bon Dieu capable de faire un vaisseau neuf, un vaisseau propre, un vaisseau d'honneur à soi. Nous camper là avec vous. Nous croyons que le Saint-Esprit t'a dit assez, nous pas au-delà et soutenir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou bienvenue pour faire ça. Kotoya dans quel que soit kotoya, ouvre cœur, quitter bon Dieu faire un vaisseau d'honneur, quitter bon Dieu faire un soldat, répétition, quitter bon Dieu faire un athlète, quitter bon Dieu faire un fermier ou va au service bon Dieu. Et pour toute la vie, même Jean-Samuel, Samson, Jean-Baptiste et tant d'autres. Et venant nous, bon Dieu, nous pas de fête dans l'évangile. Mais bon Dieu choisit, nous le fait, nous venons un vaisseau d'honneur. Par exemple, moi-même, quand je parle, je ne pas de fête dans l'évangile. Bon Dieu choisit, nous faisons un vaisseau d'honneur. Ou même, nous faisons ça pour vous. Sur oui, cœur, quittez bon Dieu, parlez avec cœur, connaissez la même. Pendant que vous répétez prière que bon Dieu met sous crème, non. Et si vous voulez répéter une prière, ou même, bon Dieu, bon, prière qu'a dit. Ou mettez non, ou dit moi-même tel, ou moi-même m'a dit moi-même Getty, ou m'a dit non pas. Moi-même Getty, Seigneur Jésus, moi d'accord pour venir Seigneur moi, sauveur moi accepter pour marcher avec ou mettre ferme vaisseau ça que servante la parler à. Moi vle vinn vaisseau d'honneur ça. Prends moi Jean-Mier là. Sou fait prière ça ou d'accord pour bon Dieu faire un vaisseau d'honneur. Que bon Dieu bénisse après-midi à et que nous ca rencontrer encore. Seigneur bénis et couvrir étude ça pour gloire non et tout monde qui pas gain chance pour écouter étude ça va ouvrir l'esprit pour prendre exactement ce vous prendre pour sauver la vie au papa dans tant que nous est là nous même qui pral aller va couvrir nous bon Dieu avec grâce ou davantage merci en pile pour muraille de fer qui pas jamais laguer nous pas jamais abandonner nous pas jamais éloigner nous qui envelopper nous ni machine nous ni la vie nous ni foyer ni famille nous en nom Jésus nous fait prière ça sauveur nous roi immortel nous amen bon Dieu bénis nous toutes à la prochaine.